été revient. 3 ans qu'il n'avait pas sorti d'album. Avec son dernier opus, Nul à bas, il revisite les années 60 et 70 avec un son plus rock et plus électrique. La particularité du dernier album, c'est qu'il y a de la guitare électrique dessus. Parce que j'aimais bien l'idée que ce soit aussi le reflet de ce que je pouvais écouter à cette époque-là, Jimi Hendrix, Lenny Kravitz, les Beatles évidemment. Et puis que ce soit le reflet aussi de ce que la musique qu'on propose est sur scène. Avant, je jouais sur une guitare acoustique. Maintenant, là, j'en passais dans des effets, dans un ampli. Et là, j'ai envie de quelque chose de plus direct, entre guillemets. Le bon refrain. Carrière, 5 albums et plus de 1000 concerts, un road movie télévisé avec André Manoukian, Tété ne s'arrête plus. Amoureux des mots et des belles mélodies, il jongle entre les styles musicaux. Mon style, si je devais le définir, je dirais que c'est un mélange de chansons pop, parce que je suis très refrain, je suis très mélodie, très histoire. Et puis il y a des petits accents de musique qui viennent d'Amérique du Nord parce que c'est ma culture musicale. Et c'est vrai que j'ai toujours été porté par ça. Imperceptible non subit changement de ton. La chose se joue de l'alentour de tes lèvres, mon amour, tes lèvres, mon amour. Lorsqu'il se produit dans le Val d'Oise, Tété n'est pas en terre inconnue. Au début de sa carrière, il se produit à l'espace Michel Berger de Sannois. Mes passages à l'EMB, j'en garde de très bons souvenirs. En fait, je crois que c'est une des premières salles en région parisienne où j'ai joué. La particularité de l'EMB, c'est que c'est une équipe qui impulse une vraie âme et une vraie identité. Puis surtout, qui est une pépinière dont moi j'ai bénéficié, dont plein de groupes bénéficient et bénéficieront encore. Parle des derniers tickets en vente sur ton palier. Cham chante misère et autres contes de la misère. Mélange subtil de chansons populaires, de folk, de blues et de pop, Tété trace son chemin sans se soucier des modes. Auteur, compositeur, interprète, il propose un univers unique et personnel qu'il prend plaisir à partager.